étrangers, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, étrangers. Merci. Rien ne va plus. 28. Noir, père et face. Pour le personnel. Merci. Si ça continue, je prédis d'excellentes vacances à M. le comte. Sait-on jamais. Tiens, Grognard, prends le reste. Tu t'offriras une Bugatti ou ce que tu voudras quand nous rentrerons en France. Monsieur le comte est trop bon. Oh! Oh, I'm awfully sorry. Thank you. Vous êtes extrêmement aimable, monsieur. Je vous remercie. Non, voyons, tout le plaisir a été pour moi. Œil innocent, bouche sensuelle. C'est mon cocktail préféré. Monsieur le comte a soudain l'air méditatif. Oui, en effet, mon cher Grognard. C'est sur un renforcement de l'entente cordiale que je médite. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Vous avez perdu quelque chose? Oh, c'est incroyable. C'est fantastique. Me prendre à moi, Arsène Lupin, mon portefeuille. Cette dame veut la guerre. Je suis prêt à tout pour ajouter un chef-d'œuvre à mes collections. J'aimerais, si vous le permettez, vous poser une question. Je suis désolé, mais un portefeuille sans argent, il vous servirait à quoi? Sans lui, je me sens comme nu. Mettons que moi aussi, je cherche à enrichir mes collections, comte Lindsay. Vous savez qu'il y a très longtemps que j'ai l'ambition de connaître un homme du monde. Un certain Arsène Lupin. Tiens, je croyais que rien ne vous étonnait. Apprenez que dans notre métier, réussir à voler quelque chose au grand Arsène Lupin est l'exploit dont nous rêvons tous. La performance géniale. Mille fois merci, Milady. Et encore mille fois bravo. C'est moi qui vous remercie. Vous avez une technique à l'image de vos yeux, d'une admirable qualité. Mais dites-moi, avec qui avez-vous fait vos classes? Vous avez un style, le double empalmage direct. Je gagerais que c'est avec Tom l'Amiral. Eh oui. Ah, le bon vieux style. On n'a jamais fait mieux. Si, vous, mon cher. Ah. À la vérité, je cherche à ce que mon pays soit en toute chose toujours au premier rang. Vous avez une visite, Lady Beckfield, votre père. Je vous en prie. Merci. Ah, oh, ma très chère enfant. Oh, tu m'as causé d'immenses soucis. Je m'ennuyais tellement de vous, Daddy. Ah, oh, désolé. Je sais que j'ai beaucoup tardé. Mais j'avais une foule de petits détails à régler. Allons, Milord. Vous fatiguez notre malade. Ce n'est pas raisonnable. Allons. Oh, ben, vous avez raison, mademoiselle. Goodbye, darling. Remets-toi vite. Oh, emprunter le portefeuille à son daddy. Tu devrais avoir honte. C'est très vilain. Ne perds surtout pas courage, ma chérie. Oh, je compte sur vous, mademoiselle. Soignez-la bien. Et une recommandation, qu'elle ne sorte surtout pas d'ici avant mon retour.